bon, alors j'espère que vous avez la forme. Et oui, je suis de retour. Bon, désolé, j'étais très très occupé. Et je reviens avec une nouvelle émission, un nouveau format. Donc vous me direz déjà dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce format nouveau où je me suis associé avec Majid de la chaîne The Fight Club, les amis. C'est pas les amis ici, c'est les Warriors, mec. Et on est des The fighters, Fight nous. Club, les Warriors Ish. Bon, aujourd'hui, on va apporter, hein, donc on a une nouvelle émission qui s'appelle d'ailleurs MMA sans limite. voilà, MMA sans limite. On va aborder tout ce qui aborde le MMA, les combattants, les entraînements, pression physique, technique, les combattants, les immersions. Bref, on va essayer de vous parler vraiment du MMA de manière générale, vous aider à y voir plus clair dans ce sport, pour que vous soyez encore plus passionné pour ceux qui le sont, et vous donner des informations qu'on ne vous donne pas ailleurs. Donc ça, c'est vous allez voir, je pense, vous allez kiffer. En tout cas, nous, on kiffe. Donc si nous, on kiffe, je pense qu'on arrive à attirer des gens qui kiffent aussi. Et aujourd'hui, Magid, on va parler de quoi? Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet assez complexe. On va essayer de comparer deux sports qui sont l'élite des sports de combat, à savoir la boxe et le MMA. On va essayer de les comparer sur plusieurs aspects, l'aspect financier, l'aspect de la notoriété, l'aspect de la dangerosité et aussi le meilleur choix si on veut faire carrière dans un sport de combat. Ok, cool. Mais on va commencer direct dans le très dur, on va aller dans le vif du sujet. Je pense qu'il y a les gens qui sont intéressés par l'argent, donc on va vous donner un petit peu révéler ce que les gens y touchent plus ou moins dans les différentes disciplines. Et d'ailleurs, juste à présent, est-ce que vous êtes plus attiré par la notoriété, comme c'est mon cas moi, plus la performance et la notoriété, ou plus comme Magid, parce que je sais que Magid, lui, c'est plus l'argent qui va l'intéresser. Donc vous êtes quoi? Argent ou notoriété? On va commencer à argent. Dans les gars qui commencent à l'UFC, Magid, ils prennent combien? Les gars qui commencent à l'UFC, les combattants qui débutent dans l'organisation, ils commencent généralement à 12 000 plus 12 000, c'est-à-dire 12 000 de fixe. Je peux imaginer l'UFC qui est le plus gros événement au monde et quand on commence, on prend que 12 000 euros. Après, ça monte assez rapidement, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000. Et après, si vous êtes dans le top 5, ça peut aller chiffrer en quelques millions. Mais voilà, et ça, c'est pour l'UFC. Il y a le Bellator, on touche bien, il y a l'ONFC. Et après, toutes les autres organisations, les mecs, ils vont prendre 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Donc voilà, c'est pas des masses par rapport à la boxe anglaise où les gens qui sont dans le top 5, ils prennent. Le plus gros salaire, ça a été 100 millions. Mike Tyson, à l'époque, il prenait 30 millions par combat. Mayweather, il prend 100 millions, 40, 50. Enfin, quand tu as boxé McGregor, il a pris 100 millions, ce qui est énorme. C'est Alors que là, énorme. le plus gros salaire après en MMA, c'est quoi? C'est peut-être 10 millions, non? Et En encore, je MMA, en fait, c'est assez large. À titre d'exemple, quand Conor et Khabib se sont affrontés, Conor, lui, sans compter les pay-per-view, il a touché, il me semble, 3 millions et Khabib, 2 millions. Maintenant, il y a une différence. Par rapport à la boxe anglaise, je prenais 30 millions. Ou Conor, quand il a boxé Mayweather, bah, il a pris 100 millions. C'est énorme. Enfin, Mayweather a pris 100 millions. Je ne sais plus combien il a pris Mais Conor. là, on parle que de salaire fixe, c'est-à-dire qu'après, avec les pay-per-view, ça peut monter à des chiffres astronomiques. Ouais, mais après, c'est les pay-per-view qui font gagner. Donc, c'est un autre système. Exactement. Et ça, c'est quand tu es vraiment connu. Mais sinon, tous les autres. Exactement, exactement. Aujourd'hui, par exemple, dans le top 30 de l'UFC, tu touches entre 50 et 500 000 dollars par combat. Le top 10, ça varie. On parle de 150 000 à 1 million de dollars. Donc, c'est assez large. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre les deux sports, ce qui est assez intéressant, c'est que le MMA, on va dire que le salaire moyen, je crois que c'était en 2020, c'était un peu plus de 150 000 dollars. Et dans la boxe, c'était 50 000. Donc le MMA, on touche plus d'argent MMA dans salaire moyen que la Je boxe. pense, de mon avis, que l'élite de la boxe touche plus que l'élite du C'est sûr. MMA. Mais maintenant, quand on regarde ça de Pendant... manière globale, je pense que le MMA est devant. Ah ouais, donc le MMA, donc pour le moment, 1-0 pour le MMA dans le salaire moyen. Et 1-1 si on regarde les plus gros salaires quand on est champion, quand on est star. Donc si vous espérez et aspirez à devenir un très grand champion. Bah, en boxe anglaise, vous prendrez beaucoup plus, en tout cas aujourd'hui, mais ça risque de. Bah, peut-être que la boxe anglaise va un petit peu chuter et le MMA va monter. Donc c'est vrai aujourd'hui, mais est-ce que ça sera le cas demain? Ça, on ne sait pas. MMA et en boxe anglaise, mais en kickboxing, boxe thaï, c'est encore moins que ça. Un combattant, quand il rentre à la Glory, il peut rentrer et toucher juste 3 000 euros, 4 000, 5 000 en fonction de son. De son, de son voilà, de sa renommée. On sait que Badrari touchait.
grosso merdo à l'époque, où les trucs combattants du K1, de la Glory, il est top, il touchait 100 000, 150 000, 200 000. Bavary, peut-être c'était 300 000, 400 000. Et vous avez eu 400 000 pour les gens qui étaient au top, top. Donc c'est encore moins que ça. Je crois que Doumbé ou les gars qui étaient champions de la Glory, ils prenaient après entre 30 000 et 50 000 euros quand tu es champion. Donc c'est pas ouf. Et en boxe live, c'est encore moins que ça. Parce que derrière ce boxe live, déjà, il n'y en a pas des 100 et des 1000. Et en Thaïlande, je crois que c'est. En Thaïlande, je dirais peut-être des conneries, mais peut-être que le champion d'Opini du Raja, il peut aller choper 30 000. Mais 30 000 euros, il peut aller choper, mais c'est pas ouf non plus. Donc, la kickboxing, boxe thaï, c'est encore moins. MMA, boxe anglaise, c'est un peu plus. Mais voilà. Il y a beaucoup de combattants de kickboxing, boxe thaï, qui vont toucher et qui sont champions, qui vont toucher 3 000, 4 000, 5 000 euros. Après, quand tu commences à être connu, tu vas pouvoir toucher 10, 15 000 euros, si tu es encore un peu plus connu, 30 000, et après 50 000, et après c'est les poids lourds qui eux vont réussir à toucher des gros, gros montants. Donc, pour le moment, eh ben, c'est le MMA qui l'emporte. Maintenant, on va parler de notoriété, ce qui m'intéresse le plus. Moi. Et pour toi, où est-ce qu'on peut être le plus connu? Si on a plus de chances d'être connu, est-ce que c'est en combattant de MMA ou de boxe anglaise? Je pense personnellement que c'est en étant un combattant de MMA, mais quand je te dis combattant de MMA, je te parle de la plus grosse ligue au monde, à savoir l'UFC, parce que ça apporte une certaine visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais même dans la vraie vie, on peut aujourd'hui être sponsorisé par de grosses, de grosses boîtes. Et donc aujourd'hui, dans la boxe, moi par exemple aujourd'hui, tu m'évoques un combattant de boxe, je ne vois pas spécialement dans mon actualité, dans ce que je regarde sur les réseaux sociaux, je ne vois pas spécialement de boxeurs à part les gros. Il y en a quand même, il y en a Yoka, il y en a, mais c'est pas ouf, c'est pas… Exactement. Il n'y en a pas des 100 et des 1000. Il n'y en a pas des 100 et des 1000. Et aussi maintenant, ce que l'EMA a réussi à faire, notamment grâce à l'UFC et donc tous ces combattants qu'on parlait, Khabib, Connor, John Jones et toute la clique, là, tous ces stars, ils ont réussi vraiment à populariser et à rendre le MMA plus accessible pour tous. Quand vous imaginez que Donald Trump, le président américain, est parti à l'UFC, voilà, tu dis, ok, bon, bigo. Oui, en plus, il y a des personnages de grosse notoriété. Quand on voit que Zuckerberg il vient voir les combats de l'UFC à Vegas, que Elon Musk il est déjà venu exactement plusieurs fois. Franchement, c'est toutes les stars de toutes les exactement. Stars. Exactement. Aujourd'hui, c'est bien vu d'être à l'UFC, de montrer exactement ce qu'on suit. Donc c'est on pourrait dire une mode. Je pense que c'est plus qu'une mode maintenant. Voilà, c'est devenu. C'est exactement ça. Aujourd'hui, si on veut se construire. Si on veut se construire une visibilité, on va choisir le MMA et notamment l'UFC, alors qu'on ne se dirigerait pas forcément vers la boxe aujourd'hui. On va dire pour le moment, donc ça fait deux points encore pour le MMA. Pour être plus connu, c'est plus facile d'être connu ou reconnu dans le MMA, donc si on pratique du MMA, que si on pratique de la boxe anglaise. Et pareil pour le kickboxing, boxe thaï, où bah, voilà, c'est pas. Il y avait Doumbé qui était connu, Anissa Mexel, mais voilà, il y a comme il y avait Lidon, il y a Penka, Pinka, mon petit frère, mais c'est pas voilà, c'est du grand public sans plus, franchement, vraiment sans plus. Attends, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour être connu, bah, le MMA c'est plus facile. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup plus de combats, beaucoup plus d'organisations à l'échelle internationale. Dans chaque pays, il y a une organisation, des grosses organisations, il y en a quoi? Peut-être une quinzaine facilement. Alors qu'en boxe anglaise, il y en a peut-être que quatre. Plus toutes les petites organisations qui vont proposer du MMA, ça fait énorme. Donc, si vous voulez combattre, eh ben, vous aurez plus de possibilités de combattre si vous pratiquez du MMA que de la boxe anglaise. La boxe anglaise, ça devient très difficile de combattre. Les combattants boxent de moins en moins. Donc, rien que pour ça, pour être connu, ben, on a plus de chances d'être connu, de combattre en pratiquant du MMA qu'en pratiquant de la boxe anglaise, que du kickboxing, du K1 ou de la boxe thaï. Et en termes de dangerosité, quand tu vois la boxe et le MMA, pour toi, c'est quoi le plus dangereux? En fait, ça dépend de ce que tu appelles dangereux. Si on parle de grosses blessures, ben, je dirais le MMA, parce que le MMA, comme du moment où tu fais de la lutte et du grappling, eh ben, tu vas avoir des luxations, des déchirures, et donc ça met du temps à guérir, mais ce n'est pas des déchirures qui ont des grosses conséquences. Si maintenant on parle de grosses, grosses conséquences, ben, je dirais plus la boxe anglaise. Alors là, je sais que ça va, il y en a plein qui ont dit, oh non, pourquoi la boxe anglaise? Ben, pourquoi? Parce que la boxe anglaise, tous les coups sont pratiquement au visage. C'est exactement. 10% au visage et peu de temps. Alors qu'en MMA, des coups, il n'y en a pas tant que ça non plus. On prend moins de coups en MMA qu'on prend en boxe anglaise. Plus, comme on utilise les jambes, low kick, front kick, les genoux. Du coup, ben, on prend quand il y aura un peu moins de séquelles au niveau du cerveau. Et bien sûr que quand le gars est au sol,
qui commence à prendre quand il est son adversaire va être sur un power sur un en position montée et qui va commencer un golden point, va commencer à envoyer du lourd. L'arbitre il sépare très vite donc des coups voilà ils vont pas être ça va vite arrêter. Mais donc moi je dirais des traumatismes ce sera plus du côté de la boxe anglaise et sinon c'est les blessures on aura plus de blessures en pratiquant du MMA parce que les blessures MMA sont quand même assez fréquentes à cause de la lutte et du grappling. Quand on pratique du kickboxing ou de la boxe thaï, il y a très peu de blessures, très très peu de blessures. Donc voilà, on va plus se blesser en faisant du judo, en faisant du foot, en faisant du basket, en faisant du ski tout simplement que en faisant du kickboxing, boxe thaï. Mais quand on fait du MMA, du moins qu'il y a de la lutte, du grappling, du jiu brésilien, et ben là les blessures vont être multipliées et là, c'est pratiquement impossible de faire une saison sans se blesser quand on pratique le MMA. Donc les blessures, on va dire petite blessure, grosse blessure MMA, gros traumatisme, boxe anglaise pour moi. Et dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? Qu'est-ce que vous avez pensé de peu importe le sujet qu'on a abordé, notoriété, argent, dangerosité, bref. Dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Et puis je te laisse le mot de la fin, Majid, est-ce que tu as quelque chose à dire, à terminer? Les Warriors, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne de Fouette, abonnez-vous à The Fight Club, on vous mettra les liens en description. C'est que le début, n'hésitez pas à nous proposer des sujets, nous on est ouvert à toute proposition, donc c'est que du positif et n'oubliez pas, les Warriors. Les Warriors, et maintenant on vous dit, à vous de jouer, un commentaire, Ich!